Coucou Tortel, comment ça va? Sega. Bah écoute toujours, hein. Salut Poutine. On va mettre un petit peu la fenêtre en place. On va laisser l'entrée. Il n'y a pas d'auto-DJ aujourd'hui. À croire que t'as fait exprès vu qu'il aurait été annoncé. C'est beau! Alors, je n'ai jamais joué à ce jeu. En même temps, c'est souvent le principe des streams du lundi, des jeux auxquels je n'ai jamais joué. Qu'il n'est pas encore arrivé, mais merci à Tisha pour m'avoir offert ce jeu. Ben, j'espère que ça va te plaire et que je ne vais pas pourrir tes souvenirs, princesse. Ben, moi, c'est sur la manette analogique Razer. C'est tout de suite moins classe, mais. Coucou Arcane! On va se laisser. Ah, bah, ben, c'est une vraie vidéo d'intro, je l'avais pas vue. On va laisser la belle vidéo d'intro, on va prendre notre temps, on va savourer ce jeu. J'ai toujours entendu plein de bien de ce jeu, je n'y ai jamais joué. Donc, on va voir ce que ça donne. Pendant que je vois qu'il se passe plein de trucs sur mon flux de notification Twitch que je ne vois pas, je vois juste que ça défile, donc je vais aller voir si je vois. Ah, aller voir si je vois. Coucou Batzorak, et non, tu n'es pas Prumps, désolé! Merci Tortal pour le retweet. Coucou Eltan. Et oui, 2 heures sur Night en blind. Mais c'est le principe du stream de lundi. J'ai la hype aujourd'hui, il y a Elton sur le stream. Attends, je dis ça parce que Nina vient d'arriver dans la chambre. Oui, tu es déception, ça peut se comprendre. Mais attends, il y a des gens qui sont là depuis 10 minutes en train d'attendre que je dise bonjour sur le chat, hein. Non, mais là, on va laisser un peu de son, un peu de volume quand même. Je vais faire un peu de volume pour que ce soit moins fort dans mes oreilles. Appuyer sur start, j'ai appuyé sur start. Oui, j'ai appuyé sur start. Ouais, j'ai appuyé sur start, on est d'accord. Ah ouh. Je vais regarder un peu les options. D'accord. Donc ça, c'est le bouton pour annuler. Non, je suis désolé, Ailton, c'est la hype. Alors, les contrôles. Comment que ça se joue? Un bouton, deux boutons et les directions. Et un bouton, deux boutons et les directions. Coucou Willou! C'est beaucoup trop fort pour vous aussi. Est-ce qu'il faut que je baisse le son du jeu dans le stream? Je vais attendre 30 secondes pour que vous me disiez si je dois baisser le son du jeu. Alors, bouton rouge pour faire avec. D'accord. Coucou Pupus! Est-ce que je dois baisser le son? Est-ce qu'on entend trop de jeu par rapport à ma voix? Est-ce que tu peux vérifier? Parce que ça sera moins long qu'avoir le retour. Avoir le retour en direct. J'ai même pas de sous sur les pubs! Désolé. Je suis indigné. C'est vrai que le son est assez fort. Le son du jeu? Baissez un peu le son du jeu.
Non, mais pas comme ça, comme ça. Donc, qui est que... Ah oui. Et donc maintenant. Oui, donc maintenant, toi, tu le sauras dans 30 secondes aussi, c'est vrai que c'est con. Ah merde, ça a coupé le son totalement, le con. Voilà, on va faire ça. Et là. Voilà, là, ce sera mieux. Là, normalement, ça devrait être bon. Ça devrait, on espère. On n'entend rien. Oui, non, c'est le on n'entend rien de quand j'avais coupé le son. C'est celui-là de on n'entend rien. J'ai toujours le son du jeu. Yep, c'est... Là, c'est bon. Nina me fait signe que c'est bon. Ma régie ce son me fait signe que c'est bon. La régie dit que c'est bon. Oh, on peut jouer à la version classique ou à la version remastered. Ouais, tu es promu réjouissant, tu te rends compte, les promos, tout ça. Donc, on va commencer par faire un truc que j'affectionne. Allez-y, votez! Oui, pareil, je fais un vote à 9 viewers, moi. Je suis une grande malade. Vote 3, putain. Ouais, depuis que j'ai appris les commandes, je me la pète. Willou, t'as le choix entre 1 et 2. Vote Sonic 2006. Moi non plus. Moi non plus, mais je voulais choisir. Parce que c'est un stream interactif, le choix vous appartient. Elton, je pense que tu vas te faire insulter par Nightbot. Voilà, il y a eu 2 votes. Allez-y, allez-y, je vous laisse le temps de voter. Alors pendant ce temps, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé aujourd'hui. Vous mettre en garde si ça vous arrive. En fait, il y a 2 types qui ont frappé à la porte en bas tout à l'heure. Ils sont fait passer pour GDF, qui disaient qu'ils étaient là pour vérifier qu'on nous avait bien appliqué le tarif bloqué pour le gaz, tout ça. A priori, grandement a priori, c'était du repérage pour un vol. J'ai appelé RDF, ils ne font pas ce genre d'opération. Donc, a priori, s'il y a des gens qui viennent chez vous pour taper en vous disant « On est RDF, on vient pour vérifier tarifs, machin, tout ça », c'est de l'arnaque. Méfiez-vous. Voilà. Donc, on va regarder les résultats. Les résultats. Merci. Merci. Bon. Tortel, tu choisis. Tortel, c'est toi qui choisis. Version classique ou version remastered? Le choix t'appartient. Voilà. En cas d'égalité, c'est le winner qui décide. C'est Nightbot qui a choisi, c'est pas moi. Vote FF14. Classique. Donc c'est parti pour la version classique. Nous ne verrons pas la... Je pense pas qu'on fera la version remaster d'aujourd'hui. Donc on va commencer. Après 10 minutes de vote, Follow Tortal. Merci les gens, vous êtes géniaux. Alors, par quel pays? Voilà, non mais de base. Mais là, si tu veux, en plus, c'était clairement... ça sentait le... Donc c'est pour vous dire, hein, ERDF ne fait pas passer des gens chez vous pour vérifier qu'on vous a bien bloqué les tarifs. Ils ne font pas ça. Bah bon, c'est... Voilà, c'est... Après, je pense que c'est une bande de pas doués qui viennent chez nous.
Bande de padoués qu'on fait très flag. Coucou Tisha, comment ça va? D'accord, donc là je ne peux rien faire. Oh, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Là, donc là, là, a priori, là c'est... Ah, d'accord. Ouais. D'accord, faut que j'aille par là-bas. Qu'est-ce qui se passe, hein? Oh, mais il y a plein de téléphones partout. Bon, que Sinaël nous gratifie d'un de ses nombreux... Et... Ah, d'accord. Je comprends rien à ce qui se passe. Il y a un truc par là, est-ce que je peux aller par là? Ça n'a pas l'air. D'accord. Donc. Donc, c'est passé des choses. Je disais un peu le trivianu. D'accord! Vous allez comprendre. Donc là, il y a le maze 2 maintenant. Ça n'a pas l'air d'être suffisant. Ah, de quoi il s'est passé? Mais non, il y a des ennemis dans les labyrinthes. D'accord. Écoute, là j'ai l'impression que je comprends à peu près comment ça se passe. Vaguement. Il va apparaître un truc chelou. C'est bon. Avancé, ça progresse. Oh, merci Tisha pour les 10 euros. Donc, alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, on va au Maze 3. Oui, ça parle de boulet d'anneau, mais ce n'est pas dans Sonic. Et d'ailleurs, je fais faire un petit truc
Très vite fait, je reviens tout de suite. Je dois faire un tout petit truc. Placer en haut. Voilà. Et donc, attends, je vais remercier. Donc, alors, un petit quelque chose pour ma poteau qui fait des streams super sympas. Merci, Tisha. Merci. Voilà. Alors, d'accord. Attends, je vais lire un petit peu. Donc, la note est basée sur le ton que j'ai mis. Si le timer tombe à zéro, je perds la forme de Knight. Si je redeviens Liot ou Kilaris, et je dois retourner au shrine où Knight s'est retenu sans me faire toucher par le réveil qui me poursuit. Sinon, c'est game over. Pour avoir fini un niveau, faut avoir au moins un rang C sur la totalité du stage. D'accord. Ça a l'air d'être un jeu fort sympathique en tout cas. Là, c'est pas bon. Ça, c'est pas cool. Du coup, je me suis fait toucher. D'accord, donc quand j'ai la bande jaune, je peux faire des points. Donc là, a priori, en tant que joueuse pas douée en 3D, donc voilà, j'ai autre. Là, c'est un rang F, donc ça ne va pas. D'accord, c'était pas encore le moment de rentrer dans ceux-là. J'ai pas eu le temps de dire ce que tu m'as dit tout de suite. D'accord, ça aille. D'accord. Et là, c'était un d'accord pour Oriane qui me disait que perdre la forme de Knight me faisait forcément avoir un F. Vu que c'est basé sur le timer, en effet. Ça semble logique. Mais je suis retourné au deuxième, non? Oh non! Non, ça se voit pas. Donc là, j'ai fait D, C, D, F, C. Donc, oh, ça semble, ça ressemble à un boss fight. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des attaques en tournant. Trop compliqué d'avoir le boss. Après, je suppose qu'il faut que je fasse un demi-tour.
putain, j'y arrive pas, hein. Eh, coucou, comme tu parles. Ah, c'est simple, je pense qu'il faut prendre le coup, hein, c'est comme tout. J'ai l'impression que la cherche est totalement cheatée. Et là, c'est la mort de DC. Night over. Effectivement, c'est assez particulier. Donc on va recommencer. On va recommencer, hein. Ok, alors moi il faut que j'aille au shrine. Comment je me suis fait aggrotter la tronche? Ah oui, faut pas que j'oublie que ça reprend tout de suite en fait. Donc là j'ai eu un C. Eh, j'avais l'impression d'être allé vite, merde. Bon, on va casse-cou. C'est un peu ça. On va essayer d'éviter de repasser des nuits de merde. Hein. Moi j'espère que j'ai quand même passé ça. Ah oui, non mais faut... Moi j'attends tout le temps qu'il y ait un truc à la fin des niveaux et j'en profite pour lire, mais c'est la mauvaise idée ici. Non mais oui, je sais. Parce que je me dis, c'est la fin du niveau, il y a un compteur de points, un truc comme ça, et... Un petit peu un jeu du parkour, j'ai l'impression. Thank you.
Je sais pas du tout par où je dois aller. Je suis totalement paumé. Voilà, c'est bon. Ah putain, mais non, faut pas que je m'arrête, c'est vrai. Moi je veux m'arrêter pour lire le chat. Oh, c'est... Alors... Là, j'ai un bonus. Lâche-moi le mob! Je me suis fait aggroter par un mob! Ouais, je vois ça, j'ai pas trop compris. Ah, bah, du C partout! Donc maintenant, on se retape le boss! Non, c'est pas là que je voulais aller. Mais je voulais pas me faire toucher par le boss. D'accord, encore plus, faut que j'aille vite contre le boss. Alors j'espère que c'est bien la bonne technique, hein. Dans le menton c'est mieux, d'accord. Hey, j'étais dans son menton. Ah d'accord, c'est un peu un anti-snake. Il est là en frontal, hein. Je vois un truc qui ressemble à un chiffre. Donc ça pourrait être un score. Première nuit. Score total de 48 350 points. J'ai pas rechargé. Ah d'accord, la charge était arrêtée et ça... D'accord. J'ai fait un dé. J'ai débloqué un succès. Alors, continuez, il faut que je fasse exit. Je vais pas relancer le truc et a priori, du coup, ça a dû me débloquer une autre nuit. En tout cas, le jeu est sympa, il est beau, la musique est agréable. C'est un peu compliqué en jouant à ce jeu. D'accord, bah écoute, bonne nuit Tortal, repose-toi bien. D'accord,
Donc quand je me colle à sa tête, ça bloque Knight contre et du coup... D'accord. Bah on va passer avec Elliot. On va alterner. Merde, non, je voulais alterner, je voulais pas retourner. C'est bien, ça va pas enlever ma progression. Bonne nuit, Tortal Ninja. Mais c'est reparti, mais vous êtes pas possible. Donc, on va se lancer pour un petit tout pareil avec Elliot. En fait, faut juste essayer d'aller très vite. On va essayer de s'en sortir le mieux possible. On va essayer de faire au mieux pour faire un truc cohérent et... Mais rends-moi mes gemmes, méchant. Dire que c'est pas encore suffisant. Ouais, c'est bizarre de rentrer dans l'eau. Nightbot est beurré, comment ça Nightbot est beurré? Disponible? Comment ça disponible? Attends, comment ça? De quoi? Bon, attends, je relance, je continue. D'accord, ça a l'air de faire des trucs vraiment très étranges. J'ai jamais dit que je savais écrire. Faudra que je corrige ça après. D'accord, quand je suis dans l'eau, les commandes sont inversées, il faut que j'arrive à l'imprimer. Et attends, j'ai envie de rentrer là-dedans pour voir ce que c'est. D'accord, c'est de l'arnaque en fait de rentrer là-dedans. Ah, il est là le truc mûche. Je voyais pas. Oui, bah ça arrive. Là, il faut que j'aille retrouver ceci. D. Ah, c'est pas cool. Il faudra que je le refasse. Ça est assez déroutante.
Là c'est bon. Par contre, maintenant il faut que je rentre. Ah, ça a quand même l'air assez tendax, hein. Non, c'est pas pour moi. Ah, là, je peux pas. Je passe au deuxième passage, hein. En tout cas, le jeu est beau. Bien qu'étrange. Bon, tout à l'heure, j'avais trouvé le truc louche. Ouais, c'est suffisant. Pas suffisant. C'est fortement déroutant ces passages shootés sous-marins. Oh. Ah, c'est pas cool. J'aimerais bien. D'accord, ça c'est le réveil. Attends, faut que j'aille où? Non, faut que j'aille là. Qu'est-ce que tu m'indiques, Kronuk? C'est où je dois aller? Non, sérieux, c'est où? C'est là ou c'est pas là? Il m'a dit qu'il y a un truc où je peux pas y aller. Non, faut que je retrouve le shrine. Ok, bonne soirée. Ah, c'est pas par là. Non mais sérieux. Ouais, je veux bien, mais c'est où que je suis censé aller? Parce que la flèche rouge, moi, y a rien là où elle y est. Je vais prendre le réveil, hein, ça va être plus simple. Voilà, on va prendre le réveil, ça va être plus simple, et puis on va recommencer. Parce que là, j'ai pas tout compris. Je vais essayer la prochaine fois, j'espère que ça ne va pas me réarriver parce que c'est très chiant ces phases. Yeah.
bien que c'est... Ah, c'est pas bon. Sérieux, y'a pas un truc bien à prendre ici? Enfin, il faut qu'il clignote. Est-ce bien ça? J'ai vu ce que tu m'as écrit dès que je peux, princesse. On va atteindre la prison, mais à pied c'est galère, d'accord. Une fois que j'ai fini ça, on aura plus rien à foutre du score, c'est ça? C'était ton aviateur, d'accord. C'est pas suffisant. C'est quand même assez particulier comme jeu. Pareil à rondé, hein. Et en fait, faut que je fasse C pour débloquer le jour suivant à chaque fois, c'est ça? Ça va être compliqué cette affaire. Thank you.
Ah non, c'est par là que je vais aller. Et là, faut que j'aille le plus vite possible. Ah, c'est là que je veux aller. Rendez aussi. C'était ton navigateur qui ramait. Bah écoute, j'espère que maintenant c'est mieux. Alors, ceci est un boss. D'accord, j'ai compris. Alors, j'ai le sentiment que je dois réussir à l'envoyer quelque part. C'était ça! La DA est cool, ouais. C'était bien ça, il fallait que je l'envoie quelque part dans le décor. Fallait comprendre. Par contre, c'est un dé. Et quelque chose me dit que le fait que ce soit un dé, c'est pas cool. C'est bien ce que tu m'avais dit, princesse. En fait, faut que je fasse du C partout pour débloquer la suite, c'est ça? Merci, c'est quand même pas... C'est vrai que c'est pas le jeu le plus accessible de l'univers. Hein. Bah si, j'ai débloqué la deuxième journée. On va repasser avec Clarisse. Dans un nouvel environnement. Et un jour, j'arrêterai de valider avec le bouton pour rentrer, pour refaire une marche arrière, pour retourner en arrière. Promis, un jour, j'arriverai à arrêter de valider avec ce bouton. La forêt magique, la possibilité. Moi, je veux surtout la possibilité. Non, non, mais... Non, mais arrête de me piquer mes gemmes. Méchant. C'est pas suffisant. Et donc là tout de suite les niveaux semblent moins abordables. Hein. Régulièrement des nouveaux éléments.
paraît que j'ai raté le truc mûche. Voilà. Donc, c'est juste pour le dernier niveau, il faudra que je fasse du C, ça va être compliqué. Donc, je pense qu'à un moment, je ferai une pause lunette. Le jeu quand même, il est beau mais il est assez douloureux pour les yeux quand tu te concentres dessus. Hein. Enfin, j'étais pas passé par là tout à l'heure. Alors là, il faut que j'y retourne au temple. C'est compliqué cette affaire. Cette affaire de retourner au temple que je sais pas où qu'il est, parce que la prison, a priori, j'ai pas assez de bouboules. En plus, il faut que j'arrive à me souvenir où qu'il est. Les phases en 3D et les phases en plateforme sont clairement pas le meilleur élément du jeu. Hein. Non, je veux pas de toi le réveil. Aïe. Bon, c'est pas ça. Alors, est-ce que je vous ai dit que je voyais très mal la 3D sur les jeux de plateforme en 3D? J'ai beaucoup de mal à me repérer sur les plateformes en 3D. On va suivre ce truc parce que... Ah, il est là. Non, c'est pas ça que je veux. Non mais hey, je veux Knight. Non, je peux pas. Ah, j'ai quand même réussi. Alors, en plus, je dois échapper au réveil. Heureusement, elle a des bons qui sont totalement improbables. Hein. Je veux pas dire, mais l'improbabilité des bons. La
D'accord, donc j'ai fait un F, ce n'est pas très grave, l'important. C'est de m'en être sorti. Par contre, c'est vrai qu'il est tordu de chrono. Hein. C'est qu'on est effectivement très vite perdu. Hein. Ça va poser un problème. Là, il était là le truc. Ce n'est pas suffisant. Mais... toucher, ça c'est pas cool. J'ai l'impression que j'ai rétréci. Parce qu'en plus il se prend pour Mario et rétréci au lavage. Bien tendu, hein. Faut trouver les champis. C'est, je pense que les champis, ils ont été trouvés avant, en fait, hein. Non, c'est méchant, le jeu est vraiment beau. C'est vrai qu'il y a un petit côté trip hallucinogène dedans. Alors, c'est reparti, on va essayer d'être plus efficace cette fois. Hein. On va essayer de faire le spectacle. Du mode labyrinthe en vue de dessus, j'aime pas ce mode là. Je pourrais reprendre la vue latérale s'il vous plaît. Donc ça c'était pas une bonne idée. Ce qui me gêne, c'est que j'ai toujours pas trouvé la prison avec la gemme. Qui me court après, c'est quand même relou.
D'accord, donc il est là, je sais pas du tout comment on y va, hein. Ah, je me rapproche du réveil, je n'aime pas ça. Là ça va, j'entends plus le réveil, ça va. C'est quand même très compliqué. Et voilà, c'est... D'accord. Je pense qu'il faut que je fonce dessus. Oh, ça s'est bien passé ce boss. Donc ouais, celui-là il était pas facile. Ce jeu n'est pas facile. Il est bien, il est beau, mais il est pas facile. Alors je sais pas si tu es encore là à Elten, mais non, ça va, j'ai pas fait de stream à poil, ni en état d'ébriété, j'ai pas pensé à en faire. Donc pour l'instant ça va, mais en même temps... Ça va couper les revenus à pas mal de monde en fait s'ils font ça. Je sais pas si Elten est encore là, si quelqu'un peut me confirmer, ou même l'intéressé, hein, si tu es encore là à Elten... Je viens de voir ton tweet et effectivement, je pense que ça va retirer des revenus à beaucoup de monde. Hein. T'en as fait plusieurs défoncés. Mais jamais bourré. Parce qu'a priori, d'après le tweet d'Eltan, Twitch va modérer les streamers, streameuses alcoolisés, topless ou en sous-vêtements. Et d'ici à ce qu'ils pensent que je suis beurré quand je fais mes streams, il n'y a qu'un pas. C'est, franchement, j'imagine bien le truc, ils vont mettre un truc, en fait, ils vont t'envoyer un alcotest électronique et tu vas souffler dedans pour montrer que t'es pas beurré quand tu lances ton stream, c'est ça? Il est plus là. C'est dommage, je pense qu'ils seraient marrés avec cette remarque, mais ce n'est pas grave. Faudra que j'essaye un jour, mais... Non, en fait, non, ça me branche, mais quand même moyen. Allez, on va passer à la deuxième nuit d'Eliott. Encore dans un environnement... Un jour, je ne me tromperai pas sur cette touche. Donc on passe à la deuxième nuit d'Eliott. Il y a quand même une tête très cubique, je tiens à le signaler. Il y a déjà une heure de stream et je ne vois pas le temps passer. J'espère que vous vous amusez. Mais rends-moi mes... Rends-moi mes gemmes. Mes chances.
pas encore suffisant. C'est passé très vite. J'ai quand même une nouvelle note. Une mauvaise note. Oh putain, c'est déjà parti. Eh, je pourrais avoir le temps de parler entre deux niveaux, s'il vous plaît. Bon, oui, je suis gentil. C'est moi juste le temps de parler entre deux niveaux. D'accord, il est là le truc. C'est un jeu quand même fort étrange. Je le sens mal. Ça a l'air pratique. Ça a l'air tellement pratique. D'accord, mais là en gros il m'indique des bouboules. C'est par là que je dois aller. Et c'est la même merde. Et c'est le caca. Putain, joli le jeu de mots, Crunch Shepard. Joli. Et un jour, j'arrêterai de me tromper de bouton. Promis. Alors, on va réessayer, hein. On va essayer, et puis... Oh, joli le smiley princesse. Le match, il ne s'affiche pas sur le stream. Ah.
Toujours pas bon. Oh mon dieu, je n'ai pas passé. C'est passé. Pour la première fois depuis longtemps. Oh, c'est... Alors pareil, hein, je rattraperai un petit peu ce que vous me dites. Ça me rappelle Sonic, hein. Ça me rappelle hautement du Sonic, hein. Prendre les accélérateurs. C'est la version classique. C'est la version classique. Donc là il y a un boss. D'accord. Alors pour l'instant, je dois avouer que je n'ai rien compris à ce boss. Alors si quelqu'un peut m'éclairer sur ce boss, parce que j'y comprends rien.
Ah, ça explose. S'il vous plaît, je veux bien de l'aide sur le boss. J'ai rien compris. Autant les autres, j'ai réussi à comprendre, autant là... D'accord, il faut que je détruise la souris explosive. Bon. Faut détruire la souris explosive. Il pourrait le dire avant. Merci Willou. Ça pour un dé. Ah, ça va beaucoup plus vite là. Là, c'est quand même allé justement plus vite. C'est ma foi pas mal. Thank you.
faire voir au plus vite. Ok. Et c'est un C, je m'en sors quand même pas trop mal, j'ai l'impression. Alors j'espère que le stream est grave, c'est vrai que c'est un jeu qui est pas facile à streamer, je vous dirais. C'est passé. Quand on sait ce qu'il faut faire contre le boss, on y arrive. C'est même passé très vite. En fait, les boss sont pas durs quand on comprend ce qu'il faut faire. J'ai même fait un C. Je suis contente. Je suis joie. Et allégresse. Et aussi beaucoup de graisse, mais ceci est un autre problème. Donc... on va repasser à Clarisse. Et à la nuit suivante de Clarisse. Ouais, quand on sait ce qu'il faut faire, ça va tout de suite mieux. La 3D, elle est quand même, quand t'es au sol, elle est assez... oserais-je dire gerbante. C'est pas la 3D en fait, c'est vraiment le niveau en lui-même qui a un sol qui donne le mal de mer. C'est pas que la caméra a l'air très capricieuse, c'est que la caméra est très fixe. Et c'est un dé. Trouver la sortie.
Hey, j'ai trouvé la sortie. C'est au score. Ah! Donc, il faut que je fasse du scoring. C'est un jeu flash comme tu les aimes, mais ce n'est pas un jeu flash, Pupus. Un peu de respect envers ce monument vidéoludique. C'est vrai qu'il est un peu particulier, hein. Ça va être à travers du mur là. Ah non, c'est bon, c'est bien par là que je vais aller. D'accord, ça c'est un piège. Il y a des gens comme moi qui n'apprennent jamais que ce qui est un piège. Gerbrant avec le sol qui bouge et tout. Alors attends, deux secondes. Attends deux secondes. Donc qu'est-ce que vous me dites? Ah d'accord, tu as passé. J'avais pas vu que tu avais mis le lien d'un jeu flash. C'est pour ça. Je me disais bien. Je pensais que tu trollais le jeu. Du coup.
Ok, alors je comprends pas trop ce que je suis censé faire. Si vous pouvez me dire ce que je suis censé faire contre ce boss. Parce que je n'ai pas compris ce que j'étais censé faire sur ce boss. J'ai l'impression que ce que je faisais faisait quelque chose. D'accord, il faut que j'attaque la cape. C'est bien ça le truc, je dois attaquer la cape ou le boss? Vous avez le temps que je range le truc pour me dire. Ah oui, si, j'avais dit, il y a un truc que je dois faire. Merde. J'ai oublié d'aller le faire. Ça va pas aller. Et plus, puis-je te demander un service? Il va y avoir mes lunettes en bas. Tu peux aller me les chercher, s'il te plaît? Je commence à avoir mal aux yeux. J'ai fait un C. Merci Pupus. Alors, je vais faire une petite pause. Ça, j'aurai un peu moins mal aux yeux. Non, je vais aller là. Et encore un C. Voilà, maintenant que je sais que c'est au scoring, ça marche mieux, hein. Thank you.
quasiment à moitié de vitesse. En fait. Il n'y a vraiment pas de pause dans le jeu, c'est ça qui est un peu gênant. Je vous le concède, c'est un petit peu gênant le fait qu'il n'y ait vraiment. Ah, ça ne va pas passer là. Dans le vaisseau, c'est le vaisseau. Ah, presque. Si tu regardes bien dans les high scores à la fin, faut juste que j'apprenne à éviter ces putains de cartes. En fait, à partir du moment où je sais comment battre le boss, ça va très vite. Et j'ai fait un C sur le boss. Je suis assez contente. T'as passé un jeu à la con à Nina. T'as pas peur. Voilà, comme tu peux voir, il y a Sonic, Knuckles et Miles. Merci Arkane et coucou. Ok, aussi je crois que je t'avais vu en début de stream, mais comme tu ne parles pas beaucoup, je sais plus. Ma mémoire faille.
Ma mémoire défaille. Ma mémoire est défaillante. Nous allons donc repasser à Elliot. Est-ce qu'un jour j'arriverai à ne plus me planter sur ce bouton? Alors vraiment que je fasse mon pédicure ou qu'on achète une râpe à pied électrique ou plus, parce que c'est plus possible, je commence à avoir plus de cornes qu'un éléphant. Voire même qu'un rhinocéros. Ouais, j'ai plus de cornes qu'un troupeau de rhinocéros. Ça devient problématique et désagréable. J'arrive à avoir de la mémoire. C'est une bonne chose. Donc, on va passer à la troisième nuit d'Eliott. Pareil, les monstres, je les verrais bien dans un chara-design de Sonic, quoi. Alors, c'est parti. Passer par en haut. Un petit dé, faut dire que le score n'était pas génial. C'est hyper vomitif. J'aime les grands 8 mais pas là. Là c'est bon. Alors on va reprendre le Vomitator. Bienvenue dans le Vomitator 2000. Ceci est une simulation de vomi. Vous allez vomir vos tripes, vous allez gerber vos boyaux. Alors en plus je suis sûr que ça avec l'Oculus Rift. Vomi. Oh la honte! Ah sérieux, j'y étais quoi! Mais tellement j'y étais! Ah ouais, non mais là c'est jardinette ça! Hein.
tout se déstructure. Faut que j'aille le mur. Pas très cool si je peux pas esquiver vos trucs. Donc c'est bon. Ouais, c'est bon. Et c'est reparti pour un mode Gerbinator. Le Gerbotron 3000 est avec nous. J'ai envie de faire un grand 8. Quoi? Ça va être la mort de DC. C'est où je dois aller? C'est passé. Alors, un nouveau boss, est-ce que vous pouvez me dire comment je dois le battre? Ok, non, j'ai rien dit, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai rien compris. Bah, en soi, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est un peu. Gerbinatron. C'est fortement Gerbinatron. Mais c'est passé! Bon, c'est pas Discord. Démenticiel, mais. Ah, donc pour débloquer le dernier stage, il faut que j'ai fait C partout. Il faut que j'ai une moyenne de C partout. Ça va être un peu chiant. Attends, il y a un Nightmaren boss qui est apparu comme option. On va aller voir. Donc Nightmaren boss.
D'accord, ça c'est juste pour aller juste refaire le test. Ah, c'est évident. Mais en fait, je vous avouerai que truc moi qui marche bien, c'est aller prendre de l'Actifed quand je suis enrhumé. Je ne veux pas savoir, Willou, je ne veux pas savoir. Ouais. Donc je disais, je vous avouerai que ça me tente moyen de... me retaper des trucs pour essayer de faire du scoring. Donc je vais retourner et je propose de lancer la version remasterisée. Je vais lancer la version remasterisée pour voir ce que ça propose. La même chose en remasterisé. D'accord. Donc maintenant qu'on a joué en version normale, on va essayer de faire du scoring en version remasterisée. Parce que... c'était facile en même temps. J'oserais dire c'était facile. Ceci est la version remasterisée avec des nouveaux graphismes. Je préférais le car design des gamins avant. Ah merde, ça a déjà repris. Là, il n'y a pas de pause dans le jeu.